tiens à remercier Menachem Margouliès qui a travaillé d'arrache-pied, toujours avec le sourire, depuis un an, pour aider Ben à préparer sa bar mitzvah avec la paracha Bereshit, celle du début, du commencement du monde, à l'image du commencement de la vie de Ben. Je tiens aussi à rendre hommage à Ohana, mon épouse, qui a été la cheville ouvrière pour la préparation de cette soirée. Merci. En préparant ce discours, je me disais combien il était difficile de faire un discours qui soit différent de celui de Nathine et qui évite les comparaisons avec son aîné de 11 mois. C'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point les choses doivent être compliquées pour Ben lorsqu'on est le deuxième dans une fratrie de trois. Combien il doit être difficile de se faire sa place, de se créer une identité propre face à un frère si proche et si présent. Et franchement, mon cher Ben, je crois que tu y es bien arrivé. Juste à ce moment, j'imagine tout à fait ton embarras, ton petit sourire gêné. Tu baisses la tête, car tu n'aimes pas être au centre de l'attention, ni recevoir de compliments en public. Pas de chance, je le ferai quand même. Ben, si je dois trouver un mot pour te qualifier, un seul mot, lequel serait-il ? Non, pas méchant. Je pourrais parler de ta gentillesse, de ta générosité légendaire. Tu es toujours prêt à partager, à aider, à rendre service et à faire plaisir. Comme la fois où, ayant invité deux, non pas une, mais deux copines à dormir à la maison, je te vois au petit matin en train de leur préparer des pancakes à tous les deux et à t'occuper d'elles comme de deux princesses. Tu iras loin, mon fils. Une fois que ton grand frère t'embêtait, bon, une seule, hein, tu t'es approché de lui et tu lui as dit le plus sérieusement du monde, « Nati, toi tu es mon frère !» Comme quoi que son grand frère fasse, il resterait toujours son frère et son affection à son égard ne changerait pas. Non, pas si petit. Un autre qualificatif serait ta curiosité. Tu es toujours prêt à t'intéresser à quelque chose de nouveau, à chercher, à comprendre comment les choses fonctionnent. D'ailleurs, à la maison, lorsqu'un appareil électronique a programmé, pas de discussion. Que ce soit Nati ou Anna, tout le monde te demande directement de le faire. Là aussi, ta curiosité te mènera loin. Tu es aussi un fin gourmet. Il y a l'exemple des pancakes, mais tu as toujours été attiré par tout ce qui touchait à la nourriture et à la cuisine. Déjà, à l'âge de 2 ans, tu sortais toutes les casseroles de l'armoire de la cuisine pour les prendre au salon et faire semblant de mélanger des choses et de cuisiner. Cela faisait un tintamarre de tous les enfers. Ta maman et moi avions beau te hurler dessus, tu ne démordais pas. Et tu recommençais à sortir les casseroles dès qu'elles étaient à nouveau rangées. Toujours dans la nourriture, tu adores aussi prendre ton temps pour savourer chaque bouchée et étudier chaque plat. Je me rappelle ton air émerveillé lorsque je t'avais emmené pour ton premier grand restaurant durant un week-end père-fils pour tes 10 ans. Rappelle. Par contre, cela peut aussi être assez cocasse. Surtout lorsque tu commandes une salade de maïs en entrée et que tu manges les grains un à un et que Nati a déjà terminé son plat principal et n'arrête pas de dire « On y va, on y va, on y va, on y va ». Que tu as vraiment touché un domaine où tu excelles. J'ai éprouvé une réelle fierté à te voir jouer un concert de l'Orchestre des Jeunes de la Suisse romande devant plusieurs centaines de personnes dimanche passé à Neuchâtel. Tu as toujours du plaisir à t'exercer, au point que nous devons te réprimander pour arrêter de jouer et passer au devoir ou à la douche. Mais le qualificatif que je préfère, c'est celui de... astronaute. En effet, sur toutes tes photos jusqu'à l'âge de 2-3 ans, tu avais constamment un air étonné, comme si tu voguais entre deux planètes et que tu n'avais pas encore décidé si tu voulais atterrir sur Terre avec nous ou pas. Scolairement, nous nous inquiétions, Ohana et moi. Nous ne savions pas comment tu t'en sortirais à l'école, car tu étais constamment en train de rêver.
à Vénus, à Jupiter ou à Mars, nous ne saurons jamais. Une fois, alors que tu devais avoir environ 4 ans, je rentrais du bureau à la maison, tu m'aperçois depuis le jardin et tu commences à courir pour me sauter dans les bras. Tout d'un coup, tu vois un papillon et hop, tu changes de direction pour le suivre. Alors que j'étais en train de t'attendre, les bras ouverts. Le métier de papa est parfois très très décevant. Une autre fois, nous étions sur le lac en train de faire de l'aviron tous les deux. Sport où les mouvements des partenaires doivent être synchronisés au quart de seconde pour bien avancer et surtout ne pas tomber à l'eau. Là, tu t'arrêtes d'un coup de ramer, sans crier gaffe. Je te demande si tu as eu un problème, une crampe ou quelque chose de plus grave. Tu dis non, mais il y avait un avion de type XYZ qui volait et tu voulais juste le regarder. Mais je suis très heureux de constater que, à 13 ans, tu restes un astronaute pour nous, une espèce à part. Non seulement l'astronaute a enfin atterri sur Terre, mais il fait d'excellents résultats scolaires. Il est imbattable au simulateur de vol, connaissant tous les aéroports principaux du monde, étant capable de voler sur n'importe quel type d'avion. J'ai l'habitude de dire que si le pilote et son copilote font un malaise, tu serais capable de faire atterrir notre avion n'importe où. Cher Ben, tu as fêté ta majorité religieuse en mettant pour la première fois les tefilines à la synagogue, comme on l'a vu sur le petit film. Désormais, tu comptes dans un minyan et tu es considéré comme quelqu'un de responsable en tant que juif dans la société. Tu as aussi décidé d'offrir une grande partie de tes cadeaux de bar mitzvah à des bonnes œuvres. C'est tout à ton honneur. Tout comme pour Nati, je terminerai par cette citation du Sanhedrin 105 folio B. Rav Yossi bar Choni Omer, Bechol Adam Mitzkane, Chutz Mibeno Vetalmido. Le rabbin Yossi bar Choni dit, on peut être jaloux de tout homme, sauf de son fils ou de son élève. Je te souhaite donc, Ben, d'être heureux et d'encore mieux réussir que tes parents. Mazal Tov. Thank you.
Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho mais tu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.